charu pela gogo mi vo mi no mujo. Et quelle est ta conduite? Si l'Éternel se retire loin de toi, il devient alors ton ennemi. Tu seras détruit. Il ne répondra plus à tes prières. Tu es digne d'honneur. Gloire à ton nom à perpétuité. Ainsi ta grâce est répandue sur nous aujourd'hui. Ta fidélité a continué d'agir dans nos vies. Tu es digne de gloire. Tu es digne de louange. Merci à toi. Et tu as commencé ce matin. Et tu as continué. Et tu as glorifié ton grand nom. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Prenons à présent nos Bibles. Allons dans le psaume 78. Et ce matin, nous lisons les versets 15 et 16. La parole dit: Efe agakpem. Le bedji eye wona etiwo pangpang wono. Le verset 15. Il fendit des rochers dans le désert et il donna à boire comme des flots abondants. Enachi sitio agakpe omo eye tido pa baba abe tosisi kanwo ene. Le verset 16. Du rocher il fit jaillir des sources et couler des eaux comme des fleuves. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Novio. Frères et sœurs. Yahweh le via au plan. L'Éternel conduit ses enfants. Où va nous te faire? Et ils sont arrivés à un certain niveau. Et il n'y avait pas d'eau. Et nous marquons là. Aussitôt, Israël vit au pitié. Les enfants d'Israël se mirent en colère.
et ont tenu de mauvais propos. Et à telle enseigne, que Moïse cria en invoquant l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, de prendre avec lui tous les anciens d'Israël. Et il lui indiqua un rocher. Lui disant d'aller frapper ce rocher. Et l'eau en sortira et ils en boiront. Ce jour-là, Moïse prit avec lui tous les anciens. Et ils frappèrent le rocher. Et l'eau sortit en abondance. Et les enfants d'Israël burent. Mon frère, ma soeur, et quand des situations difficiles arrivent, cela ne veut pas dire que l'Éternel est impuissant. L'Éternel a dit qu'il éprouvera les enfants d'Israël afin de voir si leur cœur est attaché à lui. Et de la même manière, l'Éternel te met à l'épreuve toi aussi. Ainsi, beaucoup de choses arriveront dans ta vie. Ce n'est pas qu'une solution ne pouvait pas être trouvée momentanément. Mais l'Éternel veut voir quelles sont tes pensées. Et quel pas poses-tu? Et qu'est-ce que tu dis? Quand l'eau sortit et qu'ils en burent, ils ont finalement gardé le silence. Frères et sœurs, comprends-le. Marcher avec Dieu, c'est une démarche très importante. Pour cette raison, tu dois te préparer. Et ce, en toutes choses. Afin que Dieu ne trouve aucune erreur sur toi. Dieu voudrait que tu saches que rien ne lui est impossible. Car c'est l'Éternel qui a créé les cieux. Il a créé la terre. Il a créé les eaux de la mer. Il a formé les montagnes. Tout vient de l'Éternel. Ainsi, rien n'est impossible à lui. Il voudrait juste voir si tu as les mêmes pensées. Sais-tu que rien n'est impossible à l'Éternel? Dans tes sujets de réflexion, comment cela se présente? Dans tes paroles, comment est-ce que cela se présente? Dans les pas que tu poses, comment cela se présente-t-il?
Et quand tu te mettras debout, entre en toi-même et sonde ta personne. Tout ce qui s'y trouve, tu vas le révéler à Dieu. Tu vas le lui dire. Car l'Éternel veut te voir. Et il ne force personne. Non. Mais il est attentif et il te regarde. Il n'a pas créé les hommes pour qu'ils soient des robots. Mais il nous a donné une bonne volonté de réfléchir, de penser et de faire ton choix. Que ce soit le bon choix ou le mauvais. Et si tu fais le bon choix, il posera sa main sur toi et il te bénira abondamment. Mets-toi debout maintenant. Ferme tes yeux et lève tes saintes mains. Entre en toi-même et pense à ta condition. Demande-toi quels sont les pas que je pose. Qu'est-ce qui vient dans mes pensées? Est-ce que je les approuve? Est-ce que je pose les pas conséquents? Comment est-ce que j'agis? Les enfants d'Israël avaient soif. Ils criaient et dirent des paroles malveillantes. Et l'Éternel a fait éclater le rocher. Et ce dernier s'est fendu et l'eau en est sortie. Et abondamment. Et comme un fleuve. Il but et il en a resté. Ainsi, rien n'est impossible à Dieu. Tout est facile devant lui. Quel est le pas que tu poses? Mon frère, ma soeur, commence à lui parler maintenant. Dis-le lui. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Voici mes sujets de réflexion. Les pas que je pose, les voici. Mon Dieu, je t'ai offensé. Et parce que j'ai posé de mauvais pas, j'ai tenu de mauvais propos. Pour cette raison, je me repens aujourd'hui. Continue de lui parler. Mon frère, ma soeur, dis-le lui. Parle au Seigneur. Aujourd'hui, et éclaire-lui toutes choses. Et penche ton cœur. Et dis ce qui est caché dans ton cœur à lui. Et dis toutes choses aujourd'hui. Afin que le Dieu éternel sache ce qui est dans ton cœur. Quoi que tu ne le lui aies pas dit, il le sait. Et si tu commences à le dire, cela veut dire que tu as déjà pris une décision spéciale qui est d'enlever de tes pensées les mauvaises pensées, d'enlever les mauvais pas, d'enlever toutes mauvaises actions. Et de faire appel à la puissance de l'Éternel, la présence de l'Éternel, la volonté de l'Éternel, pour que cela entre dans ta vie, afin que tu marches comme enfant de Dieu. Continue de le dire. Dis-le, Seigneur, je t'invoque en cet instant. Oh mon Dieu, tu es le seul vrai Dieu. Tu es le Dieu éternel.
nécessaire à toi. Et rien n'est impossible à toi. Nous catalebobé. Tout est facile. Nous chamons le bobé. Tout est facile pour toi. Mais tu veux voir les dispositions de mon cœur. Tu veux voir mes agissements. Pour cela aujourd'hui je l'ai compris. Seigneur, je l'ai compris. Je marcherai selon ta parole. Et j'observerai ta parole. Quand tu m'examines, oh mon Dieu, je t'invoque en cet instant. Seigneur, exauce-moi. Que je fasse ta volonté. Que je fasse ta volonté. Et ce, dans toutes les voies. Que je fasse la volonté de l'Éternel. Oh Père. Que la grâce me soit donnée. Que ta puissance descende sur moi. Que ta puissance œuvre dans ma vie. Aujourd'hui, que je vois ton secours. Que ton secours me soit accordé. Et continue dans ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, merci à toi. Tu es digne de gloire. Tu es digne de louange. Tu es digne d'honneur. Tu es digne de recevoir des actions de grâce à toujours. Confirmation, continue de le dire. Dis à Satan. Et qu'il est un tricheur. Qu'il est un séducteur. Que c'est lui qui met les mauvaises pensées dans la tête de l'homme. Et c'est lui qui montre à l'homme à faire ce qui est mal. Et il veut que l'homme se rebelle contre l'Éternel. Alors que rien n'est impossible à l'Éternel. Toi, Satan. Offre ma soeur, dis-le. Toi, esprit de démon. Sorcier magique. Puissance des ténèbres. Aujourd'hui, l'Éternel vous saccage. Il vous écrase totalement. Dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, l'Éternel se lève. Et tous ses ennemis sont dispersés. Les œuvres de Satan sont totalement écrasées. Sont totalement détruites. Dans le nom de Jésus-Christ. Toi, esprit de démon. Toi, esprit de famille. Aujourd'hui, l'Éternel vous affronte. L'Éternel vous disperse. L'Éternel vous anéantit. La puissance de Satan est totalement anéantie. Dans le nom de Jésus-Christ. Car Jésus est vivant. Et d'éternité en éternité, ses œuvres vont continuer. Et il agira dans la vie de ses enfants. Oh Jésus. Seigneur Jésus. Sauveur Jésus. Exauce-nous aujourd'hui. Sauveur Jésus. Secours-nous aujourd'hui. Sauve-nous aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ. Père. Tu es digne de gloire. Tu es digne de louange. Tu es digne d'honneur. Tu es digne d'action de grâce.
Continue de le remercier. Continue de le louer. Continue de l'exalter. Il est le Seigneur de toute gloire. Il t'amènera à faire la volonté de Dieu. Tu vas entrer dans la volonté de Dieu. Afin que la puissance de l'Éternel entre dans ta vie. Que l'œuvre de l'Éternel se manifeste dans ta vie. Continue de le dire. La paix est dans la mer. Ah oh, nous voyons, la paix est dans la mer. Ah eh, ma côte, oh alléluia, nous voyons. La vie est là. La vie est là. Alléluia. La paix est dans la mer. La paix est dans la mer. Hello.
nous te remercions. Nous te louons et te célébrons. Car en ce jour, nous avions vu le péché que les enfants d'Israël ont commis. En vérité, ils avaient soif. Mais ils devaient savoir aussi que rien n'était possible à l'éternel. Ils ont tenu de mauvais propos. Ils ont tenu des propos malveillants. Mais tu as envoyé Moïse. Il a frappé le rocher de sa bêche. Et l'eau est sortie pour eux. Et ils en ont bu. Éternel, rien n'était possible à toi. Tout ce que tes enfants rencontrent dans le nom de Jésus-Christ, que le miracle s'opère dans la vie des enfants de Dieu. Et qui est le rétablissement dans la vie des enfants de Dieu. Seigneur, merci à toi, car tu es digne d'honneur. Et tous tes enfants vont l'apprendre. Que l'avènement de toutes choses n'entraîne pas forcément le mal, mais plutôt l'avènement des choses, et donne la formation et fera en sorte que Dieu soit connu plus qu'avant, pour que l'Éternel soit loué, pour qu'il soit exalté, pour qu'il soit remercié et qu'il connaît des transports dans l'église. Et car il sait celui qui fait grâce, tu es digne de gloire, tu es digne de louange dans le nom de Jésus Christ. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Mava Jie Beneza Mao Vameno Veve Ye Donku Dosio Mao Nacho Beta Adane Ye Mava Jie Beneza Mawo Vameno Veve Aye Donko Dosyo Mawo Ye Nacho Feda Ebeneza Ebeneza Mawo Vameno Veve Ye Donko Tosio Mao Oh Nacho Peta Ebeneza Ebeneza Oh Mao Pameno Veve Edoku Tosio Mao Oh Nacho Peta Dane Oh Maba Tie Beneza, oh my oh, Pameno Veve, ye donko, dosyo, my oh, ye nacho, peta hadani, oh my ba, jie beneza, my oh, Pameno Veve, ye donko, dosyo, my oh. Beta Ebeneza Ebeneza Mahu Mebe Aho Donko Tosyo Mahu Ye Nacho Beta Tosio Mao Nacho Beta Dane. Amen. Amen. L'occasion maintenant.
pour chanter et louer Dieu.
Groupe musical. Et après la chorale, le groupe musical à nouveau. Okay.
Praise the Lord. Alléluia. L'Éternel a été bon pour nous. Il nous a protégés, il a pris soin de nous. Durant tout le temps où nous n'étions pas dans sa maison. Mais sa présence était là. Il a veillé sur nous, il nous a protégés. Et il nous a ramenés dans sa maison. Alors nous allons le louer et l'adorer de tout notre cœur. Nous allons le célébrer parce que lui seul est digne d'être élevé. Lui seul est digne d'être adoré ce matin. Alors mon frère et ma sœur, si tu veux te lever, tu peux te lever déjà. Et commencer par l'adorer. Si tu veux te mettre à genoux, tu peux te mettre à genoux déjà. Et commencer par bénir son Saint-Nom. Si tu veux lever les mains pour l'adorer ce matin, lève tes mains et adore notre Dieu, notre Roi. Notre Créateur, celui-là qui t'a fait grâce d'être en vie ce matin, celui-là qui t'a fait grâce d'expérimenter son amour et qui te demande, est-ce que toi, mon enfant, tu m'aimes aussi? Est-ce que toi, mon enfant, tu m'aimes aussi? Alors ce matin, nous voulons dire au Seigneur, Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Je veux t'aimer avec toute ma force, avec toute mon âme, avec tout ce que j'ai en moi. Appétons, appénons. Et là-bas, où est l'homme? Oui, viens à nous. Mais mia gano on koume idea. Et attends, je mia tono be mia long là. Mia long, ple mia be chi plus beau. Et attends nos vies. Ne ne chi be. Ya wo de kaka ple mi le kapo boya mia. Ne be ya tite ate tite. Ne be ya no Claudie ate I Claudie. Ne be ya ko wa si o idi. A sou bon ma ou mandi ade nos vies wè. Alléluia. Machonye di blibola anawo Machonye nu sekata asubawo La bewe nye nye nu sen plenyagbe Nye si chope Plenye mon fiala mebe ma chonye di blibola anawo ma chonye nu sekata asubawo la bewe nye nye nu sen Nyagbe, ne si chope, plenye mo fia la mebe, e ya ta malo wo, ma suba wo, malo, chonye ti me, chonye ti me. Malo, malo, ma suba.
mialasi adongo 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 nyakle yeso mialasi adongo e adongo adongo. Et pas pour la wambe mezo a blood vie nyak be yesu nyalasi adongwe. Et pas pour la wambe mezo a blood vie aye nyak be yesu nyalasi adongwe. A purple eye, one by my soul, a blood of ye. A yak by your soul, Yalasi, a dungwe. A purple eye, one by my soul, a blood of ye. A yak by your soul, Yalasi, a dungwe. Notre Dieu, nous te remercions. Nous te célébrons et te levons. Introduis ta parole dans nos cœurs aujourd'hui. Que la parole œuvre dans notre vie. Et que nous acquérons la bonne compréhension. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci à toi. Car c'est accompli pour nous aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je vais faire premièrement cette annonce. Je voudrais que tu comprennes quelque chose. COVID a c'est que le COVID n'est pas encore totalement éradiqué. C'est pour cela que nous avions dit au départ qu'en venant dans le temple, nous devons porter nos masques. Je sais que certains l'ont positionné au niveau du menton. Ah oh. Non. Tu peux le mettre en bas, et juste sur la lèvre supérieure, en bas des narines. Et si, parce que si tu as des difficultés à respirer ou si cela t'étouffe. Voilà. Oui. Et comme moi, je vais parler. C'est pour cela que je l'ai enlevé. Afin que tu puisses m'entendre clairement et bien. Frères et sœurs, le 24 novembre 2019, et Dieu nous l'a dit ici qu'il y a une peste qui va frapper. Dans le monde entier, nous étions les seuls à qui Dieu avait dit cela. 31 décembre. Le 31 décembre, nous avons appris l'information provenant de la Chine.
Et cela commençait à se répandre dans le monde entier. Nous devons donc respecter les mesures barrières. Jusqu'à ce que, par la grâce de Dieu, la maladie n'existe plus. Que Dieu nous fasse grâce. Ok. Amen. Amen. Zialesi Yesu lila nyama vo. Zialesi Yesu lila nyama vo. Zialesi Yesu lila nyama vo. Nyama vo. Yata nyama vo. Zialesi Yesu lila nyama vo. Zialesi Yesu lila nyama vo. Zialesi Yesu lila nyama vo. Nyama vo. Yata nyama vo. Nyama vo. Yata nyama vo. Bede 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 bede. Nyama vo. Yata nyama vo. Bede. Zialesi Yesu lila nyama. Yamavo, 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 Yamavo,
Praise the Lord. Alléluia. Agbe. Voilà. La vie amère. Longtemps le Christ même. Bien-aimé en Christ. Maou le miak blom. Le bedashia ma vava. Dieu nous conduit véritablement dans le développement de ce message. Et nous voyons que Dieu amène déjà toutes choses à sa fin. Il a envoyé ses anges pour parcourir le monde entier. Il leur a dit, allez et parcourez le monde. Et examinez tous les êtres humains. Ceux que vous trouverez dans les pleurs, qui poussent des soupirs, qui sont dans la douleur, faites une marque sur eux. Car ils ressentent cela à cause des abominations qu'on commet dans le monde. Il leur a encore dit, prenez avec vous ma coupe de colère et donnez-la à boire à tout le monde. Une fois bu, ils s'enivreront et marcheront en chancelant. Ils auront de mauvaises pensées et ils poseront de mauvais pas. Ils se mettront en colère en tenant des propos incompréhensibles. Oui. C'est dans cela que, quand la ruine sera là, elle s'abattra sur eux. Mais tout ce que vous auriez marqué, quand ils vont la boire, ils seront lucides. Ils auront de bonnes pensées. Ils poseront de bons pas. Pour se multiplier et s'élargir. Quand viendra la ruine, ils ne seront point touchés. Il y a une question. De quel côté tu te trouves? Les pas que tu poses détermine le côté où tu te trouves. Jésus-Christ a dit, que ce qui arriva du temps de Noé précédant le déluge arrivera également au jour de son avènement qui est le nôtre. Noé prêcha la parole de Dieu pendant 120 ans. Pas un seul ne s'est repenti. Il dit qu'il mentait jusqu'au jour où le déluge commença et que les eaux augmentaient de niveau. Et il commençait à dire, oh, donc c'était la vérité ce que disait Noé. Allons rapidement vers l'arche et frappons pour qu'il nous ouvre. Et ils sont partis frapper. Noé pleurait. Il a dit, je n'ai pas la clé avec moi. Car l'Éternel a fermé l'arche et a mis la clé dans sa poche et est reparti pour le ciel. Ils périrent ainsi tous. 8 seulement ont été sauvés. Noé et sa femme. Leurs 3 fils ainsi que leurs femmes. C'est fini. Frères et sœurs, Jésus-Christ a dit, plusieurs sont appelés, mais très peu sont élus.
Cette affaire n'est pas du tout une affaire facile. Yesu iji globena. Et Jésus continue en disant. Alessi ojo le lot fe riyoma le Sodom ple Gomora la. Nenema ojo joge le mi apre yesi oham. Que ce qui arriva du temps de Lot dans Sodome et Gomorrhe arrivera pareillement. Les femmes se mariaient entre elles. Les hommes se mariaient entre eux. Ils couchaient aussi avec des bêtes. Frères et sœurs, cela n'arrive-t-il pas? Cela se passe. Plusieurs pays votent pour légaliser le lesbianisme, pour permettre aux hommes de se marier entre eux. Frères et sœurs, nous atteignons déjà un certain niveau. Jésus-Christ en train de dire que c'est ce qui arrivera. Le feu descendu du ciel et pour embraser Sodome et Gomorrhe et les a totalement consumés. Ce feu vient. Frères et sœurs bien-aimés, examine donc bien ces choses. Nous voyons des choses qui sont très importantes. Joseph, les songes de Joseph. Il avait raconté son songe à ses frères. Et ces derniers se sont mis en colère. Ils ont voulu le faire mourir. Et finalement, ils l'ont vendu comme esclave. Ils ont enlevé sa grande tunique. Ils ont tué une chèvre. Et ont versé le sang dans la tunique. Et l'ont déchiré par endroits. Et l'ont renvoyé à leur père. Père, regarde cette tunique. Nous l'avons trouvée quelque part dans les champs. Vois si elle ne ressemble pas à celle de Joseph. Jacob ayant vu la tunique, il s'écria en disant, oh, mais c'est la tunique de Joseph. Une bête féroce l'a déchirée. C'est faux. Ses fils lui ont menti. Et lui, il a cru en ce mensonge. Et nous voyons donc les conséquences liées à cela. Nous sommes toujours dans ce songe jusqu'à nos jours. Nebuchadnezzar eut un songe. Et on convoqua les sages de Babylone. Et pour qu'ils viennent expliquer le songe. Et Nebuchadnezzar leur a dit, à vous de me dire d'abord le songe et après cela, vous me l'expliquerez. Il répondit, où as-tu jamais entendu cela? Dis-nous d'abord le songe et nous t'en donnerons l'explication. Il leur a dit, après cela vous allez me mentir. Non. Si vous n'arrivez pas à me dire le songe et vous n'arrivez pas à me l'expliquer, je vous ferai tous mourir. Daniel a pris l'information. Daniel alla devant Nebuchadnezzar et le supplia. Donne-moi un peu de temps. Alors, je te dirai le songe et te donnerai l'explication. Il répondit, je te le donne. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Daniel alla voir Shadrach, Meshach et Abednego. Il leur a dit, prions tous ensemble et consultons Dieu.
Le rêve qu'a eu Nebuchadnezzar qui nous montre le songe et qui nous donne aussi l'explication. Et il priait. Et l'Éternel révéla le songe à Daniel. Et lui donna aussi l'explication. Nous sommes dans ce songe jusqu'à nos jours. Il a dit bleu, bleu, bleu. Et nous y allons tout doucement. Mais va tout mettre fouillade. Nous nous sommes arrêtés sur un point. Mais quoi, Abraham? Nous avions vu Abraham. L'Éternel lui a dit. Il a dit qu'il aura un fils. Abraham, quoi, dit fouillade. Abraham n'avait pas encore d'enfants. Et il grandissait en âge. Et l'Éternel lui a dit, tu auras un fils. Et je te donnerai la terre de Canaan en possession. Il répondit, à quoi connaîtrais-je cela? Et l'Éternel lui a dit, de prendre une génisse de 3 ans. Une chèvre de 3 ans. Un bélier de 3 ans. Et de les couper par le milieu. Et il les étendit par terre. Et peu de temps après, des oiseaux de proie sont venus s'abattre sur les cadavres. L'Éternel n'avait rien dit. Abraham se leva et chassa les oiseaux de proie. La Bible dit, au coucher du soleil, Abraham tomba dans un profond sommeil. Et voici, il fut saisi de frayeur. Et l'obscurité vint. Frères et sœurs, nous ce sont ces choses que Dieu a écrites d'avance. Et qu'elles arriveront. Et l'Éternel lui a dit, écoute et sache-le. Que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Et ils seront asservis aux habitants de ce pays. Ils seront opprimés pendant 400 ans. La chose n'existait pas encore. L'Éternel a écrit toutes choses d'avance. Et il lui a dit, et toi, tu seras fort âgé. Et tu iras vers tes pères après une heureuse vieillesse. Et Abraham engendra Isaac. Isaac dit Jacob et Esaü. Et Isaac engendra Jacob et Esaü. Jacob dit, et Jacob engendra 12 fils et une fille. Léa qui mutuvi Adin prenant vie de Cana. Léa lui donna 6 fils et une fille. Bilha
Bila dit, lui donna deux fils. Zilpa. Zilpa. Et dit, lui donna deux fils. Rachel. Rachel. Et dit, donna aussi deux fils. Navio. Frères et sœurs. Nous sommes là. Ces choses que nous sommes en train de voir sont des choses qui sont très importantes. Et nous savons dans ceci que il y a un programme pour toutes choses. Car Dieu a tout écrit d'avance. Avant ta naissance, il a écrit d'avance ce que tu vas devenir. Frères et sœurs, Jacob aide Rachel. Jacob épousa Rachel. Il a dit, elle est très belle de forme et de figure. Léa. Elle avait les yeux délicats. Yata. Par cela, Jacob. Jacob ne l'aimait pas. Le Jacob manya manya. À l'insu de Jacob, Rachel. Rachel, celle qu'il aimait beaucoup, s'était attachée au téraphin. Nous avons vu dans Exode le chapitre 20, les versets 3 et 4. Que l'Éternel dit qu'il est un Dieu jaloux. Et qu'il punit l'iniquité des pères sur les enfants qui le haïssent. Et jusqu'à la troisième, à la quatrième génération. Mais il fera grâce aux milliers qui l'aiment et qui observent ses commandements. À Fistia. Ici, nous voyons que nous si Rachel, voilà ce que Rachel a fait, elle a semé de ce fait une mauvaise semence. Rachel dit Joseph. Rachel engendra Joseph Benjamin. Et Benjamin. L'Éternel avait dit à Samuel, d'oindre Saül. Saul, Benjamin. Et Saül était le descendant ou oui de Benjamin. Et nous l'avions vu le dimanche dernier. Frères et sœurs, allons dans 1 Samuel, le chapitre 15, le verset 22. Samuel blabana. Ah, nous me voyons ça au plé, à quoi d'avoir ça au dia, Yehuah, ou un tout tout tout, Yehuah, Pogbea. Voilà. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de la parole vaut mieux que la graisse des béliers. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et nous, Seigneur, et l'observation de la parole vaut mieux que la graisse des béliers. L'obéissance
puissance. À la parole de l'Éternel. À la voix de l'Éternel. Vaut mieux que les sacrifices. Nous cessons. L'écoute. Achète d'or. Et pour le mettre en pratique. Vaut mieux que la graisse des béliers. Bien bla voir ton lien. Et globe elle la bena. Tous ces saints ayant afakaka pour nous font. Et dame ces saints ayant le bao pour akama papeo subo. Le verset 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Est-ce que tu vois? Que la désobéissance est aussi coupable que la divination. Si quelqu'un désobéit à la parole de Dieu, la parole de Dieu a dit tant, mais lui, il va dans l'autre sens. Alors, il est comme un devin. Et il dit, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. La résistance. Mais laissez-moi tranquille. Je vais le faire tel que je veux. Mais sûrement Dieu aura pitié de moi. C'est de l'idolâtrie et l'adoration des téraphins. Pour cela, Samuel a dit à Saül. Et puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Mon vieux, frères et sœurs, Saul. Saül n'avait pas observé la parole de l'Éternel. Et Samuel lui dit, tu as rejeté la parole de l'Éternel. Et l'Éternel a dit, je me repens d'avoir établi Saül roi. Le verset 27. Samuel trouble. Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Saül a dit à Samuel, oh, amène-moi pour que je me prosterne devant l'Éternel. Et Samuel répondit, non, je ne t'amènerai point. Samuel trouble à Jola. Et Samuel se tournait pour partir. Saul le pautoga. Et Saül le prit par le pan de son manteau. Awache. Et ce dernier se déchira. Verset 28. Et Samuel blonne bena. Yehova je Israël fiadu pela le asio egbe. Aye uchoi na haovi si nyowu. Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. La désobéissance et la résistance ont fait que Saul gade Rachel pour acclamer ta paume. Et Saül s'est retrouvé dans les téraphins de Rachel. Et je punis l'iniquité des pères sur les enfants qui me haïssent. Jusqu'à la troisième, jusqu'à la quatrième génération.
Mais je ferai miséricorde à des milliers qui m'aiment et qui observent mes commandements. Samuel dit à Saül, l'Éternel a déchiré la royauté d'Israël de dessus de toi aujourd'hui. Et il la donne à un frère, à ton frère. Ainsi, tout ce que Dieu a écrit sur ta vie, il te faut obéir aux lois et aux commandements de l'Éternel. Sinon, on va te l'arracher et le donner à quelqu'un d'autre. Que cela te soit bien clair. Le verset 29. Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se répand point, car il n'est pas un homme pour se repentir. La force d'Israël ne se répand point. Jamais. Il ne ment point. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit. Et c'est ce que Samuel avait dit à Saül ce jour-là. Nous continuons donc. Allons dans Hébreux, le chapitre 6. Et voyons le verset 17. Le verset 17 de Hébreux chapitre 6. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervient par un serment. Et c'est maoulombana. Il y a des effets adam dede. Fait limado mado. Dieu est voulant montrer aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution. Il ne le change pas. Il voulait montrer l'évidence de cela aux héritiers de la promesse. Il est intervenu par un serment. Il s'est juré. L'Éternel a juré par lui-même. Il avait dit à Abraham ce jour-là que je te fais le serment, je te bénirai. Le verset 18. Afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu monte, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Que nous passons par deux choses qui sont immuables. Il s'agit de quoi? Si tu vois le verset 12, tu le verras là-bas. Nia.
sont là-haut. Le verset 12. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Nous voyons les deux choses, c'est la foi et la persévérance. Être patient et garder fermement sa foi et ne viole pas ce principe. Non. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux chapitre 11, le premier verset. Mon fils, frères et sœurs, la foi et la persévérance. Abraham a été patient. Mon fils, frères et sœurs, sois donc attentif à ces paroles. Afin que par deux choses immuables, elles sont immuables. Et dans lesquelles il est impossible à Dieu de mentir. Jamais. Nous trouvions un puissant encouragement. Et encourager toi-même. Et pour faire le bien. Pour poser de bons pas. Pour l'observation des lois de Dieu. Le mot de chia de d'une manière ou d'une autre. La Bible dit. Et de saisir l'espérance qui nous était proposée. L'espérance. L'espérance de quoi? De ce à quoi on t'a prédestiné. L'espérance de cela. Et poser de bons pas et avoir de bonnes démarches en conséquence. Demeurer dans le programme de Dieu. Quel que soit ce qui se passe. Que tu demeures dans le programme de Dieu. Sans jamais regarder derrière. Sans faire autre chose. Et ne point poser un autre pas. Non. Le verset 19. Et cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Cette espérance, la garder sincèrement. Le verset 20. Là où Jésus est entré et pour nous comme précurseur et a été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Jésus-Christ est notre précurseur. Il est entré par le voile. Il en a fait un modèle pour nous. La manière dont nous devons lutter est sérieusement. Car Satan cherche à te détruire. Pour cela, tu dois t'efforcer vaillamment. Allons dans Jérémie, le chapitre 7.
Et voyons des choses qui sont très importantes là-bas. Jérémie, le chapitre 7. Donc, quoi dit? Souviens-toi. Que la foi et la persévérance. Na. Mokokona mbetutua. Pour l'attente de la promesse. Mbetutua menono. Demeurer dans la promesse. Tipokobleu. La patience. Asa kose. User de foi. Asa le moaji. Et marcher sur le chemin. Ok. Akoda. Viens voir. Jérémie alenya. Garde bon la vie. Jérémie dit ici des paroles lourdes de sens. Le verset 8 dit Jérémie 7, le verset 8. Mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. L'Éternel dit Azachose. Que tu uses de foi et de persévérance. Afin que la promesse qu'il a faite pour toi, ta naissance dans ce monde, c'est une promesse. Dieu t'a fait une certaine promesse. Raison pour laquelle tu es né. Et c'est pour cela qu'il t'a amené à l'église. Et tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel. C'est Dieu qui opère ses œuvres. Maintenant, il dit, mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. Est-ce vrai? Qu'est-ce que là-bas? Nous car, mille fifim, l'arme oum, la hachi oum, le atam jojo kam, aye mille do jujo, na mao tuto, si o mille nya o cho. Le verset 9. Quoi? Dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'encens à Baal, aller auprès d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Il est dit d'où de Alakpanya Ontia. Vous vous livrez à des espérances trompeuses. Nous si comme à des jours. Ce qui ne te servira à rien. Nous si maclon à d'après. Ce qui ne te conduira point sain sauf à destination. Il y a un métier ne le dit d'où doua. C'est en cela que tu te confies. Et dit. Mais les fifim. Vous dérobez. Mais la maoum. Vous tuez. Vous commettez des adultères. La tam jojo kam. Et vous jurez faussement. Et donc jojo na mao tuto. Et vous offrez de l'encens à un dieu étranger. Si o mienya o. Que vous ne connaissez pas. Jo. No kata. Et pourquoi? Et là ben, et tout ce saint. Le tam ce saint-là. Et nya mao tuto subo subo. Et parce que la désobéissance et la résistance, c'est l'adoration des dieux étrangers. Et Samuel Boulana, Saul. Et c'est ce que Samuel avait dit à Saül. Car l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de la parole vaut mieux que la graisse des béliers. La résistance, c'est l'idolâtrie. Et la désobéissance est coupable de divination et l'idolâtrie et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Voilà ce que nous trouvons ici. Le verset 10.
Hafi mievana etia chitre de nkunyama le apesia simu oyo nyankodo la ma heno gbogblomba nyanvo kata. Puis vous venez vous présenter devant moi dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué et vous dites: nous sommes délivrés, c'est afin de commettre toutes ces abominations. Vous avez vécu de la sorte et vous entrez dans la maison de Dieu et dire que nous sommes délivrés. Mon frère, ma soeur, Dieu te parle ce matin. Sois donc attentif. Nous, si Samuel Saul-là, ce que Samuel avait dit à Saül n'était pas une petite parole. Le verset 11. De Aphesia, si nous y en encore là, je ajoute à do le nyankumia, Yahouaba, Nyaha, Mekwe. Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué? Je le vois moi-même, dit l'Éternel. Dans cette maison où, sur laquelle mon nom est invoqué, le temple est-il devenu une caverne de voleurs? Là où vont se rassembler les malfaiteurs? L'Éternel te parle. Sois donc attentif à ses paroles. Verset 12. Et là, maintenant, allez donc au lieu qui m'était consacré à Silo, où j'avais fait autrefois résider mon nom, et voyez comment je l'ai traité à cause de la méchanceté de mon peuple Israël. L'Éternel a dit: allez à Silo et vous verrez. Où étaient Élie et ses fils? Élie, il était sacrificateur là-bas. Ses fils l'assistaient. Et elle couchait dans le désordre avec les femmes. Et ça donnait à toute mauvaise action. Élie n'est pas arrivé à les réprimander. Et l'Éternel est venu pour lui dire: tu seras détruit. Tout sera détruit. Tes deux fils mourront le même jour. Frères et sœurs, sois attentif à ces paroles. Dans la maison de l'Éternel, selon toi, c'est quoi? À quoi le destines-tu? La demeure de l'Éternel, là où le nom de l'Éternel est invoqué, comment est-elle chez toi? Le verset 13. Et maintenant, puisque vous avez commis toutes ces actions, dit l'Éternel, puisque je vous ai parlé dès le matin et que vous n'avez pas écouté, puisque je vous ai appelé et que vous n'avez pas répondu, l'Éternel dit: vous continuez de commettre ces mauvaises actions et qu'il continue de vous parler constamment, mais vous n'avez pas écouté. Il vous a appelé et vous n'avez pas répondu. Mon frère, ma soeur, le verset 14.
si nous yon yon kodo, si nous, mille jidom do, betefe, si me chona miakple, yafofola, abe alesi, me wosilu ene. Je traiterai la maison sur laquelle mon nom est invoqué, sur laquelle vous faites reposer votre confiance, et le lieu que j'ai donné à vous et à vos pères, de la même manière que j'ai traité Silo. Frères et sœurs, cela a atteint un certain niveau. Et l'Éternel dit, la maison sur laquelle mon nom est invoqué, et que les gens n'ont point considéré, et qu'ils pensent vivre n'importe comment avant de venir et dire me voici, me voici. L'Éternel dit, je détruirai cet endroit. Ceci n'est pas une simple affaire. Qu'il va la détruire. Comme il avait détruit Silo. Verset 15. Et ma chomi a fougbe a chonyan kouta. A ba lesi me chomi a novio kata. Si on y a Ephraim poum blipola fougbe ene. Et je vous rejetterai loin de ma face, comme j'ai rejeté tous vos frères, toute la postérité d'Ephraim. Ephraim poum ya. La postérité d'Ephraim. Qui a engendré Ephraïm? Joseph. C'est Joseph. Joseph. Qui a engendré Joseph? Emma. Oui. Hey! Ovio. Frères et sœurs. Alors examinons bien ces choses. Rachel. Rachel. Avait gardé et caché les statuettes. Elle les avait cachées. Et devant tout le monde, elle invoquait l'Éternel. Mais en cachette, elle possédait les statuettes. Elle engendre Joseph. Et parce que Joseph, lui, a pris soin ou s'est préservé de toutes ces choses. Et l'Éternel a été avec lui. Et il a eu ses deux fils. L'un, c'est Ephraïm. Ephraïm et qui? Manassé. Manassé. L'Éternel dit qu'il a fait quoi? Qu'il a rejeté toute la postérité d'Éphraïm. La postérité d'Éphraïm qu'il l'a rejeté. Et je punis l'iniquité des pères sur les enfants qui me haïssent. Que cela te soit clair ce matin. Si tu ne te comportes pas bien, et que tu vis dans le désordre, l'Éternel va te rejeter et totalement. Il va te rejeter. Toutes choses arrivent à leur terme. Toutes choses arrivent à leur terme déjà. Le verset 16. Et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple. N'élève pour eux ni supplication ni prière. Ne fais pas des instances auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. L'Éternel a dit à Jérémie de ne point intercéder en faveur du peuple. Nous sommes arrivés à un certain niveau maintenant. Nous sommes arrivés à un certain seuil.
Que quand le pasteur prie pour toi, et dire que tu vis dans le désordre, l'Éternel dit au pasteur, et arrête de prier de cette manière, car je ne t'écouterai pas. Je ne t'écouterai point. Que cela te soit clair ce matin. Ce matin, que cela te soit bien clair. À tout le monde, que cela soit bien clair. Comment est-ce que tu marches? Quels sont les pas que tu poses? Et qu'est-ce que tu montres comme attitude? Et quelle est ta conduite? Il dit qu'il ne fasse point des instances auprès de lui. Qu'il ne l'écoutera pas. Qu'il ne prie même pas en leur faveur. Le verset 17. Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem? L'Éternel dit à Jérémie, ce qu'ils sont en train de faire dans les rues, est-ce que tu ne les vois pas? Maintenant, si Dieu demande au pasteur la conduite des fidèles dans les rues et ne les vois-tu pas, alors que répondra le pasteur? Les pas qu'il pose, ne les vois-tu pas? Verset 18. Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel et pour faire des libations à d'autres dieux afin de mériter. Vieux, les enfants vivent dans le désordre. Fofo, les pères, oha, eux aussi, la même chose. Non, les femmes, nenemake, même chose. Ochodojikunam, afin de mériter. Ovio, frères et sœurs, le jour d'aller au ciel n'est plus loin. Grave. Pas du tout. Il n'est plus loin du tout. La trompette va résonner bientôt. Le verset 19. L'Éternel dit, est-ce moi qu'ils irritent, dit l'Éternel? N'est-ce pas eux-mêmes à leur propre confusion? L'Éternel dit, que tout ce que tu fais, ce n'est pas lui que tu irrites, mais c'est à ta propre confusion. Pour cette raison, répands-toi aujourd'hui. Répands-toi aujourd'hui. Oui, Kaba. Hâte-toi de le faire. Le verset 20. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, ma colère et ma fureur se répandent sur ce lieu, sur les hommes et sur les bêtes, sur les arbres des champs et sur les fruits de la terre. Elle brûlera et ne s'éteindra point. Il y a un feu dévorant qui va venir.
Elle brûlera et elle ne s'éteindra point. Yo. Agnon. C'est bon. Il y a toi et d'air. Samuel Ban. 1 Samuel. Tabla Vognilia. Le chapitre 28. Ce qui prie est ton lien. À partir du verset 3. Et Globe. Il dit. Samuel Kou. Et Israël Bibola Fane. Et vous dit. De Rama. Et vous dit la main. Que ça y a. On y a la ou plé. Afakalaouda. Le Anibalaji. 1 Samuel 28, le verset 3. Samuel était mort. Tout Israël l'avait pleuré et on l'avait enterré à Rama dans sa ville. Saül avait ôté du pays ceux qui évoquaient des morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Frères et sœurs. Samuel. Samuel. Écoute. Mourut. Et chi, très bon. Il était fort âgé. Ayoko. Et il mourut. Ayodi. Et il fut enterré. Sonya, mon yolao, la fakalao. Saül avait ôté du pays ce qui évoquait les morts et les devins. La nyigbaladji. Oui. Yo. Mais il dit, mais pour la pipi, en elia. Continuons avec le verset 4. Et c'est félicito, peta. Va fou à Sadani de Sunella, son hapo, Israël blibola nous fou, et y est fou à Sadani de Gilboa. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sunem. Saül rassembla tout Israël et ils campèrent à Gilboa. Les Philistins se soulevèrent contre Israël. Saul, Saül Israël, rassembla les enfants d'Israël Oyava. Et pour aller à cette guerre. Qu'est-ce qui sort attend là? Est-ce qui sort pour féliciter avant qu'on la vend et dit qu'à tout le verset 5. À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Faut voir que Saul dit. Saül fut saisi de crainte. Et pour féliciter pas avant qu'on la. Quand il vit le camp des Philistins, le verset 6 dit, Saül consulta l'Éternel, et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'urim, ni par les prophètes. Frères et sœurs, nous c'est Saul. Ce que Saül a fait, cet homme, il s'est entêté. Il n'a pas obéi à la parole de Dieu. Ce que l'Éternel lui a dit, il ne l'a pas observé. Samuel a Samuel aussi est déjà mort. Abajo. Il y avait une guerre. Saul confie ses torts. Saül vit les Philistins. Il fut saisi de crainte. Et il pria et consulta l'Éternel. L'Éternel ne lui a pas répondu. Mon frère, ma soeur, si tu ne vis pas bien, tout peut se passer dans ta vie. Si tu pries, l'Éternel ne te répondra point. L'Éternel ne va point exaucer ta prière. Il ne te répondra point. Que cela te soit bien clair. Frères et sœurs, l'affaire a atteint un certain niveau. Voilà les ennemis qui sont devant Saül. Il pria. Il invoqua l'Éternel. L'Éternel n'a pas répondu. Oui. Aucun prophète n'est venu parler aussi
non plus à Saül. Le verset 7. Et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts et j'irai la consulter. Frères et sœurs, vois-tu ce qu'on dit ici? Saül consulta l'Éternel qui ne l'exauça point. Nous avions déjà lu que et Saül avait enlevé du pays et les évocateurs de mort et ceux qui prédisent l'avenir. Il les a chassés du pays. Oui. Et maintenant, quand il a consulté l'Éternel et que l'Éternel n'a pas répondu, qu'est-ce qu'il a fait? Il demanda à ses serviteurs de lui chercher une femme qui évoque les morts afin que lui, il aille la consulter. Frères et sœurs, est-ce que vous êtes présents? Oui. Sois donc attentif. Dieu examine donc toutes choses. Quel pas tu poses? Les endroits que tu fréquentes. Et je te l'avais déjà dit, ne va pas glaner dans un autre champ. Es-tu allé dans un autre champ? Boaz avait dit cela à Ruth. Et je te l'avais dit aussi qu'à Bethléem, il n'y avait pas les champs des étrangers là-bas. Il n'y avait que des champs appartenant aux Israélites. Et mais Boaz avait dit à Ruth, ne va pas dans un autre champ. Et Ruth d'Otoy. Et Ruth lui a obéi. Ruth avait obéi à Boaz. Pour cela, Ruth, c'est qui est venu du pays et des Moabites, m'a tué au vaso. Jésus Christ, maman. Dieu l'a changée, transformée et elle est devenue l'arrière-grand-mère de Jésus-Christ. Ainsi Dieu a tout écrit d'avance. Il va te conduire par des épreuves. Et pourras-tu réussir à ces épreuves? Allô? Ou tu vas faire autre chose? Ça oui, il a dit. Il dit, et cherchez-moi une femme qui évoque les morts. Que dit-il? Et ses serviteurs lui disent, voici à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. Cela veut dire que ses serviteurs savaient où se trouvaient ceux qui évoquaient les morts. Le verset 8. Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements et il partit avec deux hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, prédis-moi l'avenir en évoquant un mort
et fais-moi monter celui que je te dirai. L'enfant de l'Éternel, c'est lui qui demande qu'on lui évoque des morts. Est-ce vrai? L'Éternel était là, tranquille. Et il voyait tout. Le verset 9. La femme lui répondit, voici, tu sais ce que Saül a fait, comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Oh! Saul! Saül! Il avait tué les gens. Et toi, tu me demandes de deviner pour toi. Mais es-tu en train de me tendre un piège? Verset 10. Saül le jura par l'Éternel en disant, l'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. Est-ce vrai? Et Saül jura par l'Éternel. Et parce qu'il a invoqué l'Éternel et l'Éternel ne lui répondait plus. Où est-il parti? Vers quelqu'un qui évoque les morts. Verset 11. La femme dit, qui veux-tu que je fasse monter? Et il répondit, fais-moi monter Samuel. Verset 12. Et la femme dit, lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Saül, et pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. Saül lui dit, fais monter Samuel pour moi. Frères et sœurs, l'Éternel des armées, et veillez sur tout ce qui se passait. Par cela, et celle qui évoque les morts, évoquait les morts. Elle ne pouvait pas faire monter l'homme de Dieu pour qu'il apparaisse. Mais Dieu était derrière tout ceci. Il a fait en sorte que Samuel monte. Et pour dire à Saül ce qu'il devait lui dire. Frères et sœurs, cette parole est une grande parole. La Bible continue en disant, Le verset 13. Le roi lui dit, ne crains rien, mais que vois-tu? La femme dit à Saül, je vois un Dieu qui monte de la terre. Et parce que habituellement, ce n'est pas ce qu'elle évoquait. Ceci, c'est un autre cas. Dieu a fait monter Samuel. La femme fut saisie de crainte, car elle n'a jamais vu cela.
Et il lui posa la question, qu'as-tu vu? Et elle répondit, je vois un Dieu qui monte de la terre. Verset 14. Il lui dit, quelle figure a-t-il? Et elle répondit, c'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. Saül comprit que c'était Samuel et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Saül a su que c'était Samuel qui était monté. Et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Verset 15. Samuel dit à Saül, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Saül répondit, je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a répondu ni par les prophètes, ni par des songes. Et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Samuel lui dit, pourquoi m'as-tu fait monter ici? Il répondit, j'ai invoqué l'Éternel, il ne m'a pas répondu. Et les Philistins sont en guerre contre moi. C'est pour cela que j'ai demandé qu'on te fasse monter. Et pour me faire connaître ce que je dois faire. Le verset 16. Samuel dit, pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi? Je voudrais que tu examines ta personne. Et sérieusement, présentement. Et quelle est ta conduite? Si l'Éternel se retire loin de toi, il devient alors ton ennemi. Tu seras détruit. Il ne répondra plus à tes prières. Et si tu es dans la détresse, il ne te répondra point. C'est pour cela que tu dois bien examiner ta personne. Frères et sœurs, ce n'est pas une petite chose ce qui se passe ici. Et l'Éternel s'est retiré de toi. Il est devenu ton ennemi. Et c'est moi que tu consultes. Verset 17. L'Éternel te traite comme je l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains et l'a donné à un autre, à David. Et Samuel confirma à Saül ce qu'il lui avait déjà dit. Car l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et l'observation de la parole vaut mieux que la graisse des béliers. Tout ce Seigneur a fait mouvement. La désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Et Saül est rentré dans les téraphins
de sa grand-mère Rachel. Samuel lui dit, Dieu t'a retiré la royauté et l'a donné à David. Verset 18. Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel et tu n'as point fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. L'Éternel t'avait parlé au sujet d'Amalek, mais tu n'as pas été obéissant. C'est pour cela que l'Éternel te traite de cette manière aujourd'hui. Verset 19. Et même l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi. Et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. Samuel lui dit, Yehovah acho Israël a dans les Philistins. Que l'Éternel livrera Israël aux Philistins. Ewo. Toi. Bleviou. Ainsi que tes fils. Viou. Tes fils. Miavak bonye echo. Vous serez avec moi demain. Eh. Elegblo. Sol be kouni mneka. Il était en train de dire à Saül sa mort. Magano agbo. Tu ne vivras plus. La couille. Tu mourras. Dôme la pleure. Tu seras détruit. Et vous allez venir chez moi demain. Et... Le verset 20. Sort sera de Aniba Dremu. Et au fond, le Samia Pognauta. Moussa Goha. Magale Mou. Et la bonne. Madunaneke. Aussitôt, Saül tomba à terre de toute sa hauteur et les paroles de Samuel le remplirent de foi. De plus, il manquait de force car il n'avait pris aucune nourriture de tout le jour et de toute la nuit. Si Samuel bougnait sur là. Quand Samuel a dit ces paroles à Saül, que demain, toi et tes fils, vous viendrez vers moi. Israël aussi. Dieu va le livrer aux mains des Philistins. Oui. Saül tomba complètement à terre de toute sa hauteur. Il s'étendit par terre et resta là-bas. Il n'a point mangé le jour ni la nuit. Frères et sœurs, ce n'est pas une petite chose. Si on prêche la parole et toi tu ne l'observes pas, ceci c'est la conséquence liée à cela. Ce n'est donc pas une chose facile. Et personne ne plaisante avec l'Éternel des armées. Non. Nous l'avions vu dans Hébreu. L'Éternel. Il ne change pas les choses. Non. Jamais. Le dessin qu'il a formé est selon la promesse. Et quand celui-là ça donne au mal, aussitôt,
Il retire les potentialités de celui-là et les donne à une autre personne. Et parce que l'œuvre de Dieu ne restera jamais inachevée, l'Éternel fait en sorte que son œuvre continue de se multiplier, de s'élargir. Mais celui qu'il a choisi pour l'œuvre et qui ne travaille pas bien et qui vit dans le désordre, l'Éternel lui retire l'œuvre et la donne à quelqu'un d'autre. Saül tomba à terre. Si tu continues la lecture, la femme s'approcha de lui et lui demandant de lui préparer quelque chose à manger et il refusa. Et ses serviteurs, eux aussi, l'ont convaincu. Et finalement, la femme a préparé et elle a apporté. Et il mangeait. Et il est reparti. Dans le chapitre 31, 1 Samuel chapitre 31. Le premier verset. Il dit. Et Israël. Et Israël aussi les félicitons nous. Et Amor dit Abba, les Gilboatolachi. Les Philistins livraient bataille à Israël. Et les hommes d'Israël prirent la fuite devant les Philistins et tombèrent morts sur la montagne de Gilboa. La guerre était violente. Et l'Éternel était derrière cette guerre. Et il avait décidé que Saül meure ce jour-là. Mon frère, ma soeur, je te prie. Tu entends cette parole aujourd'hui. Et parce que Dieu ne veut pas que tu sois détruit. Dieu ne veut pas ta perte. Mais plutôt, il veut que tu aies la vie. Que tu aies en possession la vie éternelle. Et que tu te réalises selon son plan dans ce monde. Que tu y travailles. Pour sa réalisation dans ta vie. Et là. Oui. Hey, le péché, renonce à lui, rejette-le loin de ta vie. Voilà. Le verset 2. Les Philistins poursuivirent Saül et ses fils et tuèrent Jonathan, Abinadab et Malchishua, fils de Saül. Les Philistins les poursuivirent et les firent mourir. Frères et sœurs, Jonathan qui était tellement fort, il était vaillant et guerroyait vaillamment. Il mourut ce jour-là. Il a été tué. Le verset 3. L'effort du combat porta sur Saül. Les archers l'atteignirent et le blessèrent grièvement. Saül fut saisi de frayeur quand il a vu les archers. C'est sans précédent. Il n'avait plus de force. Il a invoqué l'Éternel qui ne lui a pas répondu. Et pourquoi? Parce qu'il avait violé les lois de l'Éternel. Il s'est entêté. Il était récalcitrant. Il n'a pas observé la parole de Dieu. Par cela, la conséquence va venir. La conséquence est tombée sur lui. Le verset 4. Et
diwoyi na fodem ne boloto siawo na gava fonu dem awo funya funyam o ke efe adekpo vila melon o la bana ele fofon muto tete so cho efe yi ayi wo che enu. Saül dit alors à celui qui portait ses armes, tire ton épée et m'en transperce de peur que ces incirconcis ne viennent me percer et me faire subir leurs outrages. Celui qui portait les armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte. Et Saül prit son épée et se jeta dessus. Et Saül dit à celui qui portait son arme, et de prendre son épée et de le frapper. Et le serviteur refusa. Et Saül lui-même prit son épée et se jeta dessus pour se transpercer. Frères et sœurs, demeurer dans le programme de l'Éternel est avantageux. Aide l'homme. Fais aller de l'avant l'homme. Saül mourut, le verset 5. Celui qui portait les armes de Saül, le voyant mort, se jeta aussi sur son épée et mourut avec lui. Le verset 6. Ainsi périt en même temps dans cette journée Saül et ses trois fils, celui qui portait ses armes et tous ses gens. Ils périrent tous le même jour. Selon ce que Samuel a dit. Je te prie. Entends la parole de Dieu et mets-la en pratique. Et répands-toi totalement. Hâte-toi de te repentir. Et sois habile à le faisant. Et répands-toi. Si Israël mutu si on le bali la peu go kemi le Jordan peu go kemi ji babona Israël mutu aussi et il sort le via mutu kula ogble o peu todi si et felicito va nomme. Verset 7. Ceux d'Israël qui étaient de ce côté de la vallée et de ce côté du Jordan ayant vu que les hommes d'Israël s'enfuyaient et que Saül et ses fils étaient morts, abandonnèrent leur ville pour prendre aussi la fuite. Et les Philistins allèrent s'y établir. Oh, non vio. Frères et sœurs. Le verset 8. Est-ce que la Philistins nous dégèle à me tchapa ou et au pas sol. Le lendemain, les Philistins vinrent pour dépouiller les morts et ils trouvèrent Saül et ses trois fils tombés sur la montagne de Gilboa. Verset 9. Ils coupèrent la tête de Saül et enlevèrent ses armes. Puis ils firent annoncer ces bonnes nouvelles par tout le pays des Philistins, dans les maisons de leurs idoles et parmi le peuple. Verset 10. Il mit les armes de Saül dans la maison des Astartés et ils attachèrent son cadavre
sur les murs de Beth Shan. Verset 11. Lorsque les habitants de Jabès en Galade apprirent comment les Philistins avaient traité Saül, Le verset 12. Tous les vaillants hommes se levèrent et après avoir marché toute la nuit, ils arrachèrent des murs de Beth-Shan le cadavre de Saül et ceux de ses fils. Puis ils revinrent à Jabès où ils les brûlèrent. Et puis, il y a le verset 13. Le Jabès. Ils prirent leurs os et les enterrèrent sous le tamaris à Jabès. Et ils jeûnaient 7 jours. Il y a pour vous. On aura sonné. Frères et sœurs. Mes frères et sœurs. Son coup. Saül mourut. Ce jour-là. Et parce qu'ils avaient violé les recommandations de l'Éternel. Et il s'est fait du mal lui-même. Et il a péri. Sa famille aussi a péri. Ses fils périrent. Ce jour-là. Parce que il est entré dans l'adoration des téraphins. Et l'Éternel l'avait puni des péchés de ses pères. Enfin, mon frère, ma soeur. S'il te plaît. En ce jour. Examine ta personne. Pense à ta personne. Tout ce qui n'est pas bon dans ta vie, change-le maintenant. Et rejette-le en même temps. Et la Et car la colère de l'Éternel prend de l'ampleur. L'Éternel est en colère. Et le monde tend vers sa fin. Pour cela, répands-toi. Alors tu trouveras le secours de l'Éternel sur la terre des vivants. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mets-toi debout maintenant. Ferme tes yeux. Et pense un peu à ta condition de vie. Ni ba wala gbona ye e ka ma ma nya to
Mon frère, m'en soeur, prie. Tu ne dois pas mourir. Mon frère, ma soeur, tu dois vivre. Et voir le secours de l'Éternel. Et voir le pardon de l'Éternel. Oui. Prie en cet instant. Dis-le à l'Éternel. Invoque-le très fort. Invoque-le pour qu'il t'exauce. Qu'as-tu fait? Quel pas tu poses? Confesse-le lui. Dis-lui toutes choses. Dis-le lui ce matin. Dis-le à l'Éternel. Ouvre ta bouche et dis-le. Dis-le lui. Dans le nom de Jésus-Christ. Que chacun parle. Tout le monde doit parler. Par le Créateur de la terre. Le juge vient. Le juge vient. Et il juge. Et il juge tout le monde. Et tout se passe désormais. Tout se passe maintenant. Le monde souffre. Le monde entier tremble. Car le juge, jugement vient. Mon frère, ma soeur, le jugement vient. Le jugement s'annonce. Il est là. Le jugement est là. Le jugement est là. Le jugement est là. Prie. Invoque l'Éternel. Et dis-le lui. Dis-le lui. Dis-lui toutes choses. Dis-lui toutes choses. Dans le nom de Jésus-Christ. Invoque-le. 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 Invoque l'Éternel. Invoque-le en cet instant. Car le juge vient. Le juge vient. Il vient maintenant. Il vient. Il vient. Et le monde tremble et saute. Le monde entier dans l'effervescence. Tout est dans l'effervescence dans le monde. Car l'Éternel prononce son jugement. L'Éternel prononce son jugement. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom du Seigneur Jésus. Le Dieu de toute gloire, le Seigneur de toute gloire. Invoque-le, dis-le lui. Dis-lui toutes choses. Et ne cache rien. Parle-lui.
Dis-lui toutes choses, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, qu'il ait pitié de toi. Qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel te fasse grâce. Que l'Éternel te sauve. Qu'il vienne à ton secours. Qu'il te vienne en aide. Qu'il te délivre de ce malheur. Qu'il te délivre du péché. Qu'il te délivre du mal. Dans le nom de Jésus-Christ. Jésus Christ. Jésus Akbena. Oh, yes, Lord. Oh, my God. Yes, my Lord. There is no other person. It's only you, my God. Yes, Lord. Jesus, Jesus. Si ma bobo kokwe alelo ejima ma kubede akpo jisi aji si ma bobo kokwe ale aye ejima ma kubede akpo ye anu agbe tegbe anu agbe ye tegbe anu agbe awo ajima maku jima maku anu agbe ye tegbe anu agbe tegbe anu agbe awo ajima maku ye anagbe ye tegbe anagbe etegbe anagbe o ajima maku ajima maku anagbe ye tegbe anagbe etegbe anagbe oh, Jesus, I see my bubble yeah, I see my cup yeah, Jesus, I see my bubble Ajima maku bede aku ye anagbe ye tegbe anagbe tegbe anagbe awo ajima maku jima maku anagbe ye tegbe anagbe ajima maku jima maku anagbe ye tegbe anagbe tegbe anagbe awo ajima maku ajima maku anagbe ye tegbe anagbe o tegbe anagbe ajima maku fofomie dakpena wagba. Père, nous te remercions aujourd'hui. Les fofomie toude ti. Nous te levons et t'exaltons. Wamangbebe tona fi wagba. Ta grâce est accordée à tes enfants aujourd'hui. Ben adou le chokbe vema. Afin de les délivrer du malheur. Adou le nougbegble wom. De les délivrer des mauvaises actions. Adou le nougforme. De les délivrer du péché. Adou la fode de bada wom. De les délivrer des mauvais pas. Le Yesu Christo pankama. Dans le nom de Jésus-Christ. Adou le motata oji. De les délivrer des chemins d'égarement. Adou
et de les remettre sur le droit chemin afin qu'ils soient obéissants, qu'ils fassent ta volonté selon que cela se fait au ciel dans le nom de Jésus Christ. Père éternel, que ta grâce soit donnée à tes enfants, que ta puissance entre dans la vie de tes enfants afin que la mort de Dieu éternel, oh, éternel, oh, éternel, oh, éternel, secoue tes enfants, sauve leur vie, pardonne leurs péchés, dans le nom de Jésus-Christ, Père éternel, prince de vie éternelle, c'est toi le roi éternel, c'est toi le tout-puissant. Afin que chacun soit sanctifié aujourd'hui, que tes enfants soient sanctifiés, lave-les dans le sang de Christ, que le Saint-Saint les lave et qu'ils soient totalement lavés dans le nom de Jésus-Christ, afin qu'à partir d'aujourd'hui un changement éternel soit fait dans la vie et que l'œuvre de l'éternel se manifeste dans la vie des enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu manifesteront la gloire de Dieu. Et la puissance de Dieu agira dans leur vie. Merci à toi. Et tu es digne d'honneur. Tu es digne de louange. Dans le nom de Jésus-Christ. Jésus, merci à toi toujours. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. 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 Nous continuons le dimanche prochain de là où nous nous sommes arrêtés maintenant. Mon frère, ma soeur, préserve ta personne. Car nous traversons un temps important. Dieu sera avec toi. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Levons tous nos saintes mains maintenant. Mao fofo monta mele ave lale ahajo gebe fiama blo chonyeji mebe eo be masi. Maro fofo o mohota mele ape lale ahajo gabi fiamma lo chonyeji mebe ye o be mase o be mase lago o be mase o. Oui, Père, nous obéirons à ta voix. L'écoute de ta voix et nous fera du bien. Nous donnera la prospérité. Nous multiplier. Dans le nom de Jésus-Christ. Oui, c'est accompli ainsi. Maintenant, va. L'Éternel sera avec toi. Pour te garder. Pour te protéger. Pour te faire
entendre sa voix. Et si tu lui pries, il t'écoutera. Il te parlera. Et te placera sur le chemin. Et te prendra par la main. Pour te conduire. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Acclame très fort l'Éternel. Amen. Amen. Bon ami, crée la chabana. Dis à celui qui a ton vigné. Mon frère, ma soeur. Écoute la voix de l'Éternel. Amen. 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 Yo, bye bye. Lo. Au revoir. La manie, lo. Et portez-vous bien. I'm going to go to the hospital.